Le nouveau parti de Babolor, l'oncle de Stéphane Kipré, prend position. Devant le congrès de son parti réuni samedi 25 septembre 2021 à Yamoussoukro, Stéphane Kipré a prononcé son dernier discours en tant que président de l'Union des Nouvelles Générations. Dans ce qui ressemblait à une messe de requiem de ce parti d'obédience baboïste, l'instance suprême qu'est le congrès a entériné le choix du président Stéphane Kipré à être acteur et non spectateur du nouveau parti en gestation. Dans un long discours où il a retracé les 14 ans de parcours de sa formation fait d'embûches, de combats et de succès, Stéphane Kipré a invité les siens à rejoindre le combat actuel de l'or babo. Leur est à la solidarité pour ensemble mener le combat pour l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire telle que nous, militants de longue, l'avons toujours rêvé, a fait entendre le président du parti avant de lancer avec conviction et une dose d'opiniâtreté ce message. Nous avons pour obligation de faire les bons choix, de prendre la bonne décision et de nous orienter vers la bonne direction. Voici pourquoi j'invite l'ensemble des congressistes à répondre oui à l'appel lancé par notre référent politique, le président Laure Babo. Disons ensemble oui à cet appel. La salle l'a salué avec des ovations nourries. Cette partie de son discours fort acclamé par les représentants de Babo conduit par Dano Djedjé, une délégation forte de 15 membres parmi lesquels Emmanuel Aka, Odette Lorougnon, Odette Soyé, Daï Nestor, Georges Armand Touénien et Michel Babo. Dans une motion finale, l'ancien président par intérim Paul Arnaud Bouy a lu la décision du Congrès qui adoube la vision de Babo. En sa qualité de président du bureau du Congrès, il a mentionné que les conséquences juridiques et politiques de cette nouvelle résolution du Congrès seraient tirées. La principale résolution du Congrès émane de la tendance majoritaire qui s'est dégagée lors des pré-congrès éclatés tenus du 10 août au 19 septembre 2021 dans les bases du parti. Une nouvelle aventure commence ainsi pour le gendre de Babo dont le parti vient de refermer sa page de la belle manière qui soit avec une organisation presque parfaite. Babo et Simone, c'est une paire qui ira toujours ensemble en politique. Simone Babo était le samedi 25 septembre 2021 au lancement d'une coalition Mouvement Génération Capable. Chant, t-shirt de soutien, ovation et discours à la tribune, l'après-midi au Palais des Sports d'Abidjan avait tous les atours d'un meeting politique. En évoquant, au fil de son discours de plus de 45 minutes, la pauvreté, les infrastructures du pays ou encore la question de la transformation des matières premières, elle a laissé transparaître un véritable programme politique. Car la question de l'avenir politique des Babo est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire. Depuis le retour en juin de Laure Babo, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Fin juillet, la Cour pénale internationale avait également abandonné les poursuites contre M. Babo, poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Elle avait aussi été amnistiée en 2018 par la justice ivoirienne, après 7 ans de prison. Cette crise, née du refus de Laure Babo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara, avait fait plus de 3000 morts. Le redoutable duo qu'elle avait formé avec son mari, lorsque celui-ci présidait la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, semble toutefois avoir vécu, tant sur le plan personnel que politique. En juin, M. Babo est rentré à Abidjan au bras d'une autre femme, Nadi Bamba, sa compagne depuis le début des années 2000, et a demandé le divorce d'avec Simone. Il va lancer un nouveau parti en octobre. Mais dans le cœur de ses soutiens, difficile de séparer politiquement le couple. Babo et Simone, c'est une paire, ils iront toujours ensemble en politique, c'est un duo qui gagne, voulait croire samedi Georgette Beda, venue soutenir l'ex-première dame. Je ne peux pas choisir entre les deux, renchérit Colette Ntak, une sexagénaire qui estime toutefois que Simone Babo peut gagner la prochaine présidentielle.
Celle-ci doit avoir lieu en 2025, mais un projet de l'exécutif visant à limiter l'âge des candidats à 75 ans pourrait venir perturber les plans de Mbabo, elle aura alors 76 ans. Boga Gervais, nous avons lutté pour Babo, nos espoirs se sont effrités. Le Palais des Sports de Trévise accueillait ce samedi 25 septembre l'Assemblée Générale Constitutive du Mouvement des Générations Capables. Cette cérémonie a enregistré la présence fort remarquée de sa marraine, Simone Babo. C'est connu, les rapports entre l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire et son époux traversent en ce moment une zone de turbulence. À la demande de divorce introduite par Laure Babo d'avec Simone, s'ajoute la création de son nouveau parti à laquelle elle dit n'avoir pas été associée, comme il fallait s'y attendre. Ces dissensions sont revenues dans les interventions pendant cette cérémonie. C'est essentiellement ce qui est ressorti de l'allocution de Boga Sako Gervais, président d'une fédération des droits de l'homme, récemment revenu d'exil, naguère baboïste convaincu, l'homme semble avoir pris ses distances avec le hoodie de Mama. Pendant plus de 10 ans, en exil, nous avons lutté pour le président Laure Babo. J'étais aussi convaincu qu'il était le summum de l'espoir. J'étais convaincu qu'il allait réconcilier le pays et l'opposition tout entière. Mais encore hélas, hélas, le 17 juin 2021, à 16h à l'atterrissage de l'avion de Laure Babo ici à Abidjan, nos espoirs se sont effrités. Raison pour laquelle il faut changer de cap aussitôt, a martelé Boga Sako Gervais. Le départ de Laure Babo du Front Populaire Ivoirien, il faut le reconnaître, lui fait perdre de nombreux soutiens essentiels, mais l'homme n'a pas encore dit son dernier mot. Saura-t-il rebondir à la création de son nouveau parti? Les jours à venir nous situeront. Blé Goudé répond à ses détracteurs et met en garde. Blé Goudé est revenu ce 25 septembre 2021, lors de la cérémonie de présentation du pagne de son retour sur ses relations avec Babo. Le seul combat qui vaille, vous devez vous organiser pour préparer moi aussi mon retour. Je n'engagerai aucun débat politique tant que je ne mettrai pas mes deux pieds en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas d'accord qu'il quitte le COGEP. Je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique. J'ai dirigé la FESI. Ensuite j'ai créé mon parti. J'ai jamais vacillé. Beaucoup sont allés à la résidence du président Babo parce qu'ils pensaient que c'était le lieu le plus sécurisé. Ne me faites pas parler, a lancé Blé Goudé à ses militants, et d'ajouter « J'ai connu Laure Babo opposant, j'ai connu Laure Babo président, j'ai connu Laure Babo prisonnier, personne ne connaît Laure Babo que moi, les palabres de succession, je n'y entrerai pas, on a vu ce que la succession d'Oufoué nous a causé, on me condamne pour un bébé qui n'est pas encore né, en prenant l'ascenseur ne maudit pas l'escalier, nous avons tous dit que Ouattara ne sera jamais président, mais cela fera bientôt 15 ans on est dedans », a-t-il poursuivi. Babo n'appelle pas Blé Goudé, Blé Goudé ne veut pas entrer dans le nouveau parti de Babo. Babo est venu et il n'a jamais dit le nom de Blé Goudé, tous ses propos sont-ils des projets de société? Le plus important, et je suis convaincu, on finira pas s'entendre sur le système, a-t-il conclu. Jean Bonin, économique du FPI. Projet 6, réussir la décentralisation et en faire le vecteur du processus de développement économique et social. Définition et contexte. La décentralisation est le véritable serpent de mer de la discussion politique et économique de la Côte d'Ivoire. Tout le monde en parle, mais personne n'arrive à la fixer définitivement. La décentralisation est un processus qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État central vers des entités ou des collectivités locales. Le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire a connu plusieurs évolutions dont les plus notables sont celles des années 2000 et 2011.
À partir de 2000, diverses lois sont prises pour accélérer la décentralisation. Le concept de communalisation entière du territoire est entériné ainsi que la création des départements qui donnent naissance aux conseils généraux. À partir de 2011, on parle plus de création de pôles de développement économique régionaux. Les départements sont remplacés par les régions. Toutes ces entités sont supposées prendre en charge des compétences initialement dévolues à l'État central. Les ressources pour financer ces activités proviennent de la collecte de certaines taxes locales, taxes journalières sur les marchés et boutiques, taxes pour l'occupation du domaine public, taxes sur publicité, loyers, etc., et du transfert par l'État central d'une partie des impôts partagés, impôts sur le bénéfice industriel et commercial, impôts fonciers, TVA, etc., et de dotations budgétaires. En définitive, on compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire 201 communes, 31 régions et 2 districts. 12 nouveaux districts ont été annoncés en juin 2021. Cela portera le nombre des districts à 14. Au niveau des dotations budgétaires aux entités décentralisées, les ressources affectées ont été de 79 milliards de FCFA en 2019 et 81 milliards de FCFA en 2020. En 2020, le budget de l'État central était de 8,061 milliards de FCFA, ce qui signifie que les sommes allouées aux collectivités décentralisées constituaient seulement 0,96% du budget national. C'est dans ce contexte de financement dominé par l'État que les collectivités ivoiriennes tentent de contribuer au développement économique de leur territoire. Ces chiffres montrent bien que la question de la décentralisation reste complètement ouverte. Pourquoi est-il si difficile de réussir la décentralisation, vecteur du développement économique et social dans notre pays ? La raison tient essentiellement du jacobinisme hérité de la colonisation. Le jacobinisme est une doctrine politique française qui prône l'indivisibilité de la République. Pour les jacobins, l'État central est le deus ex machina du processus de développement du pays. Ainsi, l'échec à ce jour du processus de décentralisation tient de la volonté du gouvernement central de maîtriser toutes les actions impactant la marche de la nation. Justification et mise en œuvre. Le jacobinisme de notre société est un fait bien ancré et partagé. Cependant, il faut trouver le juste milieu entre la volonté de centralisation très forte et les nécessités d'un développement local salvateur. Il faut non seulement réussir la décentralisation politique mais aussi économique. C'est ce que compte faire le FPI en lançant le programme de décentralisation qui tient à la fois compte du transfert des compétences et de leurs modalités de financement mais aussi de la création de 10 districts économiques et industriels et du transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro, à le transfert des compétences et leur financement. Les mesures à mettre en œuvre sont 1. Tous les investissements lourds d'intérêt national, routes bitumées, ponts et ouvrages d'art, construction d'édifices sanitaires, scolaires, vastes aménagements à usage industriel ou agricole, etc. sont réservés à l'État central. Les activités d'entretien de ces ouvrages et des services à la personne comme la sécurité locale, police, catastrophes naturelles de premier niveau, incendies, etc., le transport public, l'aménagement des espaces des jeux et loisirs, la gestion des déchets, la planification et la gestion de l'espace urbain sont réservés aux collectivités locales, etc. 2. En vue de mener à bien ces activités, il convient d'affecter de manière exclusive aux collectivités locales les revenus suivants, la taxe foncière, la TVA et autres taxes sur le commerce local, les pénalités diverses, etc. En plus de ces recettes, le gouvernement central doit verser 10% de ses revenus d'imposition à l'ensemble des collectivités selon une clé de répartition tenant compte de la population et des revenus internes de chacune de ces collectivités. 3.
Ces modalités de gestion de la décentralisation doivent être constitutionnalisées de sorte qu'il devient difficile voire impossible pour les régimes successifs de les modifier. B. La création de 10 districts économiques. Chaque district économique sera doté d'une société de gestion, société mixte à capitaux publics-privés dont le rôle est de créer des parcs industriels dans le district, d'agréer les entreprises au titre du code des investissements et qui souhaitent s'y installer, de collecter les loyers et autres frais. Chaque parc industriel accueille en son sein toutes les administrations publiques et privées nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise: impôts, douanes, trésor, police, infrastructures routières, sapeurs-pompiers, cliniques médicales, contrôles environnementaux, espaces de promenade, de loisirs et de sport, etc. Les 10 districts sont les noms, sont des indications qui pourraient être changées par la suite. 1. Le district Grand Bassam à Boisseau, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente: caoutchouc, palmier à huile, huile de coco, ananas, les produits de pêche, etc., industrie chimique, biochimique et médicale, informatique, intelligence artificielle, industrie culturelle, musique, cinéma, livre, etc., tourisme balnéaire. 2. Le district Abidjan-Jacqueville, il est actif dans la transformation des produits de rente et de produits viviers: café, cacao, caoutchouc, cola, huile de palme et coco, bois, minerais, bananes, plantains, riz, igname, manioc, fruits et légumes, produits de pêche, etc., montage automobile, matériaux de construction, industrie culturelle, industrie du pétrole, tourisme balnéaire. 3. Le district Sassandra Tabou, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: café, cacao, huile de palme, caoutchouc, bois, riz, manioc, bananes, plantains, fruits et légumes, produits de pêche, etc., minerais, matériaux de construction, industrie du pétrole, tourisme balnéaire. 4. Le district Yamoussoukro-Bouaké, il est actif dans la transformation des minerais, des produits agricoles de rente et produits vivriers: or, diamant, autres minerais, igname, manioc, anacarde, bois, textile, bananes, plantains, fruits et légumes, matériaux de construction. 5. Le district Cassiola-Odiané, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: anacarde, cola, beurre de karité, riz, igname, autres céréales, fruits et légumes, etc., minerais: or, diamant, autres minerais, etc. 6. Le district Tiassal-et-Divo, il est actif dans la transformation des minerais, des produits agricoles de rente et produits vivriers: or, diamant, autres minerais, igname, manioc, banane, plantain, riz, fruits et légumes. 7. Le district Gagnoa d'Aloa, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: café, cacao, huile de palme, caoutchouc, bois, riz, manioc, banane, plantain, fruits et légumes, etc. 8. Manseguela, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: anacarde, cola, beurre de karité, riz, autres céréales, fruits et légumes, etc., minerais: or, diamant, fer, autres minerais, etc., tourisme écologique. 9. Le district Adzopé Anibilkro, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: caoutchouc, café, cacao, igname, manioc, autres céréales, etc., minerais: or, diamant, fer, autres minerais, etc. 10. Le district Bondoukoubouna, il est actif dans la transformation des produits agricoles de rente et de produits vivriers: anacarde, cola, beurre de karité, igname, autres céréales, etc., minerais: or, diamant, fer, autres minerais, etc., tourisme écologique. C'est le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro.
Depuis 1983, le transfert de la capitale à Yamoussoukro n'est pas effectif et pourtant d'importants investissements y ont été faits pour accueillir la capitale. Dans le même temps, Abidjan continue de concentrer la majorité de la population urbaine ivoirienne. La rébellion de 2002 a entraîné un flux important de population dans la ville. Les conséquences de ce surpeuplement sont la hausse vertigineuse du m2 carré de terrain urbain et des loyers, la médiocrité croissante des services de base, eau, électricité, assainissement, santé, etc. L'impossible fluidité urbaine est le plus criard de ces manquements puisque chaque Abidjanais le vit au jour le jour. Or, il a été calculé par la Banque mondiale qu'une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1%. Or, 1% de croissance de taux de croissance économique équivaut à environ 200 milliards à 300 milliards de FCFA. Il est donc plus qu'urgent de transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. La relocalisation graduelle de certains services gouvernementaux et politiques permettrait d'amorcer la pompe, suivie par les commerces et autres secteurs marchands qui verraient dans cet exode de nouvelles possibilités d'affaires. Tout ceci améliorerait de facto la circulation à Abidjan. Yamoussoukro est efficacement outillé pour accueillir ce monde, il suffirait de mettre à jour les investissements déjà disponibles sur place. Résultat attendu. La décentralisation politique et économique selon le modèle proposé permettra un développement harmonieux et favorisera la cohésion nationale. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro en corrélation avec la mise en route des districts économiques proposés permettra un développement accéléré de l'arrière-pays. En effet, Yamoussoukro est au centre du pays. Construire une autoroute de Yamoussoukro à toutes les pointes extrêmes du pays reviendra clairement moins cher que si cela se faisait à partir d'Abidjan, et comme les capitales attirent naturellement, les populations résidentes et ressortissantes des autres régions seront plus enclines à investir dans leur région d'origine, d'autant plus que la distance est réduite entre Yamoussoukro et leur région d'origine. Il est en effet plus rapide de voyager de Yamoussoukro à Guibroua par exemple que d'Abidjan à Guibroua. Avec le réseau d'autoroutes prévu à partir de Yamoussoukro, un citoyen pourrait même habiter Boiflé et travailler à Yamoussoukro. Ce transfert donnerait une bouffée d'oxygène appréciable à la ville d'Abidjan qui croîtrait de manière plus raisonnable qu'elle ne le fait actuellement. Guillaume Liby, vice-président du FPI chargé des politiques économiques et financières. Discutons, partageons, abonnez-vous sur ma chaîne, merci.